Le prophète Mohammed nous dit dans un hadith, « Toute ma communauté peut prétendre au pardon d'Allah, sauf celui qui montre, celui qui affiche, celui qui dévoile ses péchés en public. » Et malheureusement, à notre époque, bon nombre de nos frères et sœurs aiment afficher leurs péchés en public et les diffuser par la suite sur les réseaux sociaux. Alors que le prophète Mohammed nous dit dans un hadith, « Que tous les fils d'Adam font des péchés, mais les meilleurs d'entre eux, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui se repentent. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont commis le péché, tout de suite après, ils font quoi? Ils demandent pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils regrettent, ils culpabilisent, ils sont dans une démarche afin de ne plus recommencer. Et de nos jours, comme vous le savez, beaucoup de nos frères et sœurs, lorsqu'ils commettent le péché, eh bien, ils sortent dehors et ils le brandissent tel un trophée. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a cachés, les a préservés. Et eux, de par leur agissement, que sont-ils en train de dire à Allah? « Non, Ya Allah, je n'ai pas besoin que tu me caches mes péchés. Car c'est ce péché qui va m'accorder la réussite ici-bas. Car c'est ce péché qui va faire de moi la star du moment que les gens vont idolâtrer. » Je terminerai avec un hadith du prophète Mohammed a.s. qui nous dit que celui qui montre la voie d'un mal aura le même péché que tous ceux qui l'ont suivi. C'est-à-dire que son compteur de péché continuera de tourner s'il ne se repent pas, et cela jusqu'à la fin des temps. Car même si la personne meurt, elle aura laissé son empreinte sur les réseaux sociaux et les gens verront ce qu'elle a fait et peut-être feront comme elle.